Le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je vous salue ce soir. Avec beaucoup de joie na furaha mingi, et beaucoup d'amour dans le cœur. Na mapendo mingi mumoyo, au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristu. Je vous amène les salutations de frères et sœurs de Kalemi. Na mileta masalamu ya wanduku na wadada wa Kalemi. Les frères et sœurs de Kolwezi. Banduku na dada wa Kolwezi. Frères et sœurs de Fungurume. Banduku na dada wa Fungurume. Di Kakanda. Wa Kakanda. Di Mulungwishi. Wa Mulungwishi. Di Kambov. Wa Kambovu. Di Likasi. Wa Kulikasi. Di Lubumbashi. Wa Kulubumbashi. Wa Mampala. Wa Mampala. De Kalukuluku, au Kalukuluku, de Kiswishi, au Kiswishi, de Kimbembe, au Kimbembe. Tous vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Ote wali misalimia mujina la Yesu Kristu. Sans beaucoup tarder, nous allons nous lever. Bila kuponda muda, tusimame. Ouvrons nos Bibles dans Luc. Tufungule Biblia yetu mu Luka. Luc chapitre 9. Luka sura kenda. Luc chapitre 9. Luka sura kenda. Commençons à partir du verset 21. Tuanzie ku mstari makumi mbili na moja. Je m'excuse. Marc chapitre 9. Marco kenda. Marc chapitre 9. Marco kenda. Verset 21. Mustara makumi mbili na moja. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Yesu akamuuliza baba yake akisema kuna kwa wakati ngapi unamufikia. Depuis son enfance, répondit-il. Baba yake akajibu tokia mtoto wake. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Et des fois l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Lakini kama unaweza kufanya au kitu mwa fulani kwa utusaidie na utusikilie huruma. Jésus dit. Yesu akamjibu. Si tu peux. Kama unaweza. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa ule ambaye anaamini. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Pale pale baba mtoto akalalamika. Je crois. Mina mini. Viens au secours de mon incrédulité. Kwe unisaidie kutokuamini kwangu. Dieu notre Père. Mungu baba yetu. Merci pour ce moment. Aksanti njua iwakati. Que tu viens de nous accorder. Yinyona tunetupatia. Pour écouter ta parole. Njua ya kusikia neno lako. Te présenter nos requêtes. Kukuletea mahitaji yetu. Et recevoir de toi la réponse. Na kupokea kwako jibu. Descends au milieu de nous. Shuka katikati yetu. Parle. Na useme. Descends au milieu de nous. Shuka katikati yetu. Agis. Tenda. Descends au milieu de nous. Shuka katikati yetu. Console. Na ufariji. Descends au milieu de nous. Shuka katikati yetu. Guéris. Utunze. Manifeste-toi. Onekana. Comme étant le même hier. Sawa ule sawa sawa jana. Le même aujourd'hui. Ule ule leo. Éternellement. Na hata milele. Croyons en toi, Seigneur. Tunakuamini Bwana. Nous attendons à des grandioses. Na tunakungoja vitu vikubwa. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuikala. Veuillez vous asseoir. Kale. Veuillez me chercher la prédication Un prophète qui rougit. Un prophète qui rougit. Veuillez me chercher ça. Je vais lire quelque chose ici. Mita soma ki tumwe hapa. Qui me vient à l'esprit. Inanikuya. Avant de continuer. Mbele ya kuendelea. Lisons dans Jean chapitre 1. Tusome mu Yohana sura kwanza. Verset 29. Musalama 12 na 9. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit.
Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, c'est Jean qui donne le témoignage. C'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est en fait qu'il fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'arrondis ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu, Minaona, et j'ai rendu témoignage na mina shudia, qu'il est le Fils de Dieu. Ya kusema yeye ndiye mwana wa Mungu. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Je vis. Minaona. Et je rendis témoignage. Na ninashuhudia. Qu'il est le Fils de Dieu. Ya kusema yeye ndiye mwana wa Mungu. Le lendemain. Kesho yake. J'ai été encore là. Yohana alikuwa pale. Avec deux de ses disciples. Na wawili wa wanafunzi wake. Et en regardant Jésus qui passait, il dit. Akiona Yesu alikuwa anapita anasema. Voilà l'agneau de Dieu. Ule ndiye mwana wa mkondo wa Mungu. Le deux disciples. Wale wanafunzi wawili. L'entendirent prononcer ces paroles. Wakimusikia kesema maneno. Ils suivirent Jésus. Wakamfuata Yesu. Jésus se retourna et voya qu'il le suivait. Yesu akageuka na akiona sawa anaanza kumfuata. Il leur dit. Akawaambia. Que cherchez-vous? Mungu natafuta nini? Il lui répondit. Wakamjibu. Rabbi. Rabbi. Ce qui signifie maître. Maana yake mkubwa. Où demeures-tu? Unaikalaka wapi? Venez leur dit-il et voyez. Akawaambia mkuje na muone. Ils allèrent. Wakaenda. Ils restèrent et ils virent où ils demeuraient. Na wakaona pala kwa nekala. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e. Wakawakia ile siku pembeni yake ilikuwa saa 10. Écoutez maintenant. Musikie sasa. André! André, frère de Simon Pierre, nduku yake ya Simon Petro, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean. Alikuwa kama mmoja wale wawili walisikia kama maneno ya Yohane. Et qui avait suivi Jésus. Na ule ambaye alifuataka Yesu. C'est celui qui rencontra le premier son frère Simon. Ni yeye ndio alienda kuone kupatana na nduku yake wa kwanza Simon. Le premier qui rencontra son frère Simon. Alikuwa wa kwanza mkupatana na nduku yake Simon. Et lui dit. Na akamwambia. Nous avons trouvé le Messie. Tunapata Masia. Ce qui signifie Christo. Maana yake Christo. En d'autres termes, tu fais quoi encore dans les dénominations? Unamna ina kusema unafanya nini mumasebu? Nous avons trouvé le Messie. Tunesha kupata Masia. Ce qui signifie Christo. Maana yake Christo. Il le conduisit vers Jésus. Akamuongoza kwa Yesu. Jésus l'ayant regardé dit. Yesu akamwangalia akisema. Tu es Simon. Wewe ni Simon. Fils de Jonas. Mwana wa Yona. Tu seras appelé Cephas. Utaita Cephas. Ce qui signifie Pierre. Maana yake Petro. Le lendemain. Kesho yake. Jésus voulut se rendre en Galilée. Yesu akipenda kwenda Galilea. Il rencontra Philippe. Akapatana na Filipo. Il lui dit suis-moi. Akamuonesha nifuate. Philippe était de Bethsaida. Filipo alikuwa ku Bethsaida. De la même ville d'André et de Pierre. Wa mji mwa ya Andrea na Petro. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit. Filipo akapatana na Nathanaël akamuonesha. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Tulipata ule ambayo Musa aliandika msheria. Et dont les prophètes ont parlé. Na ule ambayo wanabii walisemaka. Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareta. Nathanaël lui dit. Nathanaël akamjibu. Peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Et tu Nazareth unaweza kutoka kitu ya kizuri? Philippe lui répondit. Philippe akamjibu. Viens je vois. Kuya na uone. Vous comprenez quelque chose? Munaelewa kitu pale? Jésus était là. Yesu alikuwa pale. Jean l'a vu. Yohane alimona.
Et Jean a rendu témoignage. Na Yohane alishuhudia. André a entendu. André alisikia. Et a suivi. Na alimufuata. Il a vu. Alimuona. Il a crié. Alimuamini. Mais il n'a pas fermé la bouche. Lakini ashikubakie kimya. Il a parlé à son frère Simon. Alienda kumuonesha ndugu yake Simon. Et l'a conduit vers Jésus. Na akamuongoza kwa Yesu. Jésus a appelé Philippe. Yesu aliita Filippo. Philippe aussi. Philippe nae. A invité Nathanaël. Alienda kumwalika Nathanaël. Maintenant, depuis que Jésus t'a appelé. Sasa tangia Yesu alikuita wewe. Tu as invité qui? Usha kualikaka au kuita nani? Tu as conduit qui vers Jésus? Usha kongozaka kona nani kuleta nani kwa Kristo? Écoutez ce que le prophète dit. Musikie kile nabii anasema. Un prophète qui rugit. Nabii mwenyeko nongoroma. Paragraphe 34. Paragraphe 34. J'ai considéré les occasions que j'ai manquées. Milioni wa ile mabati nilipusa. À cause de choses insignifiantes. Kwa ajili ya bitu mwenyewe kwa ya bure. De petites choses sans importance. Bintu vya kidogo vyenye vikuwa na maana. En tant que ministre de l'évangile, sawa mhubiri wa injili, j'ai honte de moi-même devant vous. Mbele yenu ninasikia haya. Je me repens devant Dieu. Ninatubu mbele ya Yesu. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Et je lui demande de me pardonner. Na nuna muomba kila mara nisamee. Je demande aussi à l'église de me pardonner. Na ninaomba kanisa ipate kunisamee. D'avoir été si lent. Kwa sababu nilikuwa kushito sana. Concernant l'œuvre de Dieu. Kumambo nangaria kazi ya Mungu. Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Je n'écouterai pas. Mista sikia. Et j'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'évangile. Na sawa mpasha habari njema mnasikia haya. 1 million d'âmes dégagnées. Ile milioni moja naye manafsi unapata. Que j'ai gagné. Ile nyingine ileta kwa Kristo. Je devrais en gagner 10 millions. Miri pasaka kupata mamilioni 10. Vous comprenez? Unaelewa? 1 million d'âmes gagnées. Milioni moja manafsi. Je devrais en gagner 10 millions. Miri pasaka kuipata mamilioni 10. Je suis très loin en arrière. Niko mbali sana. Qu'en est-il de vous? Sasa njuu yenu ikuje. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venu à Christ? Tangu uliamini ushakuleta manafsi ngapi kwa Kristo? Est-ce que vous êtes là? Muko hapa. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venu à Christ? Ni manafsi ngapi unesha kupataka au kuleta kwa Kristo tangu uliamini? Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Mukristiani au Mukristo unajipeleka kwa huyu na ule. C'est d'une personne à l'autre. Ça a commencé à Jérusalem. De Jérusalem en Samarie. De Samarie en Galilée. De Samarie en Galilée. De Galilée en grec. De grec en Rome. Jusqu'au Congo aujourd'hui. D'une personne à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? C'est une question. Donnez la réponse. Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Vous êtes. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église et sur l'évangile. Nikusama mnaleta tu haya ku kanisa na ku injili. Si vous ne gagnez pas d'âme. Kama moya mulete manafsi kwa Kristo. Vous êtes coupable. Uko mkosefu. Vous êtes stérile. Sawa uzale matunda umtasa. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église. Kino naleta tu ni haya ku kanisa. Et sur l'évangile. Na ku injili. Combien de personnes avez-vous invitées à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Mbele ya Kristo unapaswa kujisikia haya wewe mwenyewe. Même ce soir. Hata hii mangaribi. Combien de personnes avez-vous invitées? Ulialika watu wangapi?
Si vous ne le faites pas, kama muifanye, vous devez avoir honte munapasikwa na haya, de vous-même devant Christ. Munapasiku disikia haya wa mwenyewe mbele ya Kristo. Vous êtes coupable. Muko wakosefu. Et votre place est à l'autel. Na fasi yako ni kumasabao. Pour la repentance. Nju upate kutubu. Retournons dans notre sujet. Turudie kutungo yetu. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa ula na mini. Dieu n'a jamais me rendu impossible quoi que ce soit au croyant. Ni kusema Mungu asiye alitaka kitu kinakuwa kia nguvu kubaminifu. Mais tout ce que Dieu a promis. Lakini kiote kile Mungu alilaka. Il faut le croire. Napasa kuyamini. Et te l'approprier. Na kuibeba ikuwe yako. Alors tu l'expérimenteras. Na pale utaionja. Le croyant expérimente tout ce qu'il croit. Mwaminifu eko naonja ni yote la namini. Et l'incrédule. Na mutu mnyashamini. Tout ce qu'il craint lui arrive. Yote ile kunaogopa iko namfikia. C'est la loi de Dieu. Ile ndio sheria ya Personne ne changera cela. Hakuna mtu atabadilisha. Ici y avait un problème très sérieux. Hapo barua kama mambo ya nguvu sana. Un problème très sérieux. Mambo ya nguvu. On commence au verset 14 de Marc 9. Marco sura kenda Lorsque Jésus fit arriver près des disciples. Wakati Yesu alifika mbele ya wanafunzi. Ils virent autour d'une grande foule. Akaona pembeni hapo kundi kubwa. Et des scribes qui discutaient avec eux. Na waandishi walikuwa wanazungumza nabo kubishana nabo. Dès que la foule vit Jésus. Wakati ile kundi limeona Yesu. Elle fut surprise. Yo ikashitushwa. Et a couru pour le saluer. Na ikakimbia tu na kumsalimia. Il leur demanda. Akawauliza. Sur quoi discutez-vous avec eux? Mungu nasumburia yulu ya nini nao? Sur quoi discutez-vous? Ni yulu ya nini Mungu nazungumza au mnabishana? Mungu nabishana. Sur quoi discutez-vous avec eux? Ni yulu ya nini Mungu nabishana nao? Un homme de la foule lui répondit. Mutu wa katika ile kundi akamjibu. Maître. Mwalimu mkubwa. J'ai amené auprès de toi mon fils. Mirileta mbele yako mwana wangu. Qui est possédé d'un esprit muet. Anesha kushikwa na mpepo mchafu ya kuleta kubu. Dieu n'a jamais envoyé sa parole pour qu'on discute. Mungu ashili atutumake neno lake nje mpate kubishana. La parole de Dieu n'est pas un sujet de discussion. Neno ya Mungu ana tungu ya mabishano. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Est envoyé. Inatumwa. Pour la croix. Nje mpate kuyamini. L'expérimenter. Na kuionja. Amen. Amen. En quelque lieu qu'il le saisisse, il est ma face qu'on a mouchika. Il le jette par terre. Et qu'on a moutou papa boulongo, il a moutou papa boulongo. L'enfant est qu'il. Mtoto qu'on a kauka. Il graisse des dents. Et qu'on a sagameno. Et devient tout raide. Na na kauka na kuyangufu. Je prie tes disciples. Miliomba wanafunzi wako. De chasser l'esprit. Bafukushe ile mpepo mchafu. Et ils n'ont pas pu. Lakini wao hawakuweze. Et vous comprenez ça? Munaelewa ile? C'est compliqué. Ni ya nguvu sana. C'est ni ya haya. C'est horrible. Ni ya mbaya sana. Alléluia. Amen. Ce n'est pas concevable. Haiwezekani. Ce n'est pas vrai. Haina ya kweli. Qu'on amène quelqu'un. Balete mtu. Devant ceux qui croient. Mbele ya wale wanaamini. Et qu'ils échouent. Na wapate kushindwa. De chasser les démons. Ya kufukusha ule mpepo mchafu. Jésus était déçu. Yesu alichokaka alipatishaka haya. Il était déçu. Alipatishwa haya. Et il a dit. Na alisema. Race incrédible. Kizazi kiasipokuamini. Leur dit Jésus. Yesu akawaambia. Jusque à quand serai-je avec vous? Mpaka wakati gani mitakuwa na mweye? Jusque à quand vous supporterai-je? Mite mufimi kumifumilia mpaka wakati gani? Amenele-moi. Munilete yeye. On le lui amena. Wakamuletea ule mtoto. Vous comprenez? Munaelewa? On le lui amena. Wakamuleta ule mtoto. On le lui amena. Wakamuletea ule mtoto. Eh. Na. Aussitôt. Pale pale. Que l'enfant vit Jésus. Pale pale ule mtoto akamwona Yesu. L'esprit l'agita avec violence. Roi kamutingiza kwa nguvu sana. Il tomba par terre. Akanguka chini. Eh. Na se roulait aniquement.
Jésus demanda au Père. Yesu akamuuliza baba. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, na mara mingi, l'esprit l'a jeté dans le feu. Roi na mutupaka mumoto, imutupa mumoto. Et dans l'eau. Na mumai. Pour le faire périr. Njua kumua. Mais. Lakini. Si tu peux quelque chose. Kama unaweza kitu mafulani. Viens à notre secours. Kuya utusaidie. Ayez compassion de nous. Utusikirie ko buruma. Jésus lui dit. Yesu akamujibu. Si tu peux. Kama unaweza. No, en d'autres termes. Munamna ingine. Tu me dis à moi si tu peux. Uko unanionyesha kusaka mimi naweza. Tu doutes de ma capacité. Wewe uko na shaki ya mauwezo yangu. Tu doutes de ma puissance. Uko na shaki ya uwezo wa nguvu yangu. Tu penses t'adresser à qui? Unawaza sasa unazungumza na nani? Tu me dis à moi si tu peux. Uko unanionyesha kusema kama unaweza ako. Si tu peux. Kama unaweza ako. Tu penses t'adresser à qui? Mukuwaza kwako unaonesha ile mambo nani? Tout est possible. Yote inawezekana. À celui qui croit. Kwa yote anaamini. Ne me dis pas si tu peux. Usinyoneshe kama mimi naweza. Amini. Que je peux. Ya kusema mimi nitaweza. Amini. Que je suis puissant. Ya kusema una uwezo yote. Amini. Que je guéris. Kusema mimi natunza. Crois. Amini. Que je suis créateur. Ya kusema mimi ndiye muumbaji. Tu verras. Na utaona. Tout est possible. Yote inawezekana. À celui qui croit. A ule ambaye anaamini. Ne vous approchez pas de Dieu. Usimkaribie Mungu. Comme si vous approchez à un homme. Sauli ndo karibia mtu. Il est puissant. Yeye ni wa uwezo sana. Plus que ton problème. Kuliko mambo yako. Il est puissant. Yeye ni wa uwezo sana. Plus que ta maladie. Kuliko magonjwa yako. Là où les hommes ont échoué. Wale watu walishindwa. Dieu n'a pas échoué. Mungu hayashindwa bado. Là où les hommes tremblent. Wale watu wanatetemeka. Dieu ne tremble pas. Mungu atetemekake. Il a été avant toute chose. Yeye alikuwa kako bila mbele ya vitu vyote. Et il sera après toute chose. Na atakuwa kako kisha vitu vyote. Avant que les problèmes n'arrivent. Mbele ile mambo ifike. Dieu a existé. Mungu alikuwa kako. Tu me dis si tu peux? Unanionyesha kama unaweza? No. Hapana. Alléluia. Amen. Une foi éprouvée. Imani yenye kupimwa. Produit des résultats. Ikuna toa matokeo. Page 13. Page 13. Paragraphe 26. Paragraphe 26. Frère. Ndugu. Ce soir. Imangaribi. Le monde cherche quelque chose d'authentique. Nous dunia iko natafuta kitu kile kia kweli. Ce soir, hii mangaribi, même moi, hata mimi mwenyewe, même toi, hata wewe, nous ne voulons rien imiter. Hatupende kufuatilisha kitu. Nous avons besoin de quelque chose d'authentique. Tunapenda kupata kile kitu kia kweli. Original. Kia kweli kile kia kumwanzo. Les gens de cette nation. Watu wa hii taifa. Et du reste du monde. Regarde à l'église. Pour avoir quelque chose d'authentique. Les gens regardent à l'église. Et l'église c'est toi. L'église c'est moi. Pour avoir quelque chose de réel. D'authentique. D'original. Les gens regardent à l'église. Watu wanaangalia kanisa. La science. Elimu. Nous a apporté la mort. Inetuletea tu lufu. Si vous comprenez. Munaelewa. La science. Elimu. Nous a apporté la mort. Inetuletea tu kifo. Le médecin a échoué. Wanganga wanashindwa. Il tremble. Weko natetemeka. Mais Dieu ne tremble pas. Lakini Mungu atetemekake. La société inye makampuni nous a apporté la corruption. Inetuletea tu kukata milomo kuharibifu.
Les organisations ecclésiastiques, les religions, les dénominations nous ont apporté la confusion. Les gens cherchent quelque chose de réel, quelque chose d'authentique. Ils amènent les malades à la maison. Au lieu que les malades rentrent guéris, ils rentrent avec des démons. La maladie reste. Et sur la maladie, on ajoute la haine. C'est ta tante qui t'a ensorcelé. C'est ton oncle qui... C'est faux. Maintenant, écoutez. C'est la confusion. Les gens veulent quelque chose de réel. Lorsqu'ils voient cela être manifesté, ils sont disposés même à croire, même à trembler. Ils sont disposés. Et la chose est là. Dieu a cela. Mungu eko nakyo. Dieu a cela. Mungu eko nayo. Nous parlons d'un Dieu. Tukuna sema ndio ya Mungu. Où est-il? Eko wapi? C'est votre prophète. Ni nabii wenu. Nous parlons d'un Dieu. Tukuna sema ndio ya Mungu. Où est-il? Sasa huyu Mungu tukuna sema eko wapi? Si toi tu ne le vois pas. Kama wewe umeone. Si toi tu ne l'expérimentes. Kama wewe muonje. Qui va l'expérimenter? Nani mwingine atamuonja? Si Dieu ne te délivre pas. Kama Mungu asikukomboe. Ne te transforme pas. Asikubadilishe. Ne te change pas. Asikubadilishe. Où est-il? Sasa eko wapi? Nous parlons d'un Dieu. Tukuna sema yule Mungu. Où est-il? Eko wapi? Tout est possible, non? Yote nawezekana. Est-ce que toi aussi tu crois réellement? Eti, na wewe unaamini kwa kweli? Que tout est possible. Ya kusema yote nawezekana. Tu penses? Au unawaziaka tu? Tu suppose? Au unajizania tu mafikiri? Hébreux. Wa Ibrania. Chapitre 11. Sura 11. Verset 6. Mustari wa 6. Hébreux. Wa Ibrania. 11, 6 dit. Wa Ibrania sura 11. Or sans la foi, japo bila imani, il est impossible de lui être agréable. Haiwezekane upate kumpendeza. Car, kwa mana, il faut que celui qui s'approche de Dieu, inapasha ula na karibia Mungu, croit que Dieu existe. Amina kusema Mungu heko mzima wewe kwako. Ekilele remunerate. Na nienjo nalipaka. De ce que le cherche. Wale wako namtafuta. Ekilele remunerate. Na analipaka. De ce que yabale wana mtafuta. Il faut croire. Na basa kuamini. Que moi j'adore. Ya kusani kunaabudu. Un Dieu qui existe. Sa Mungu ule wa mshima. Un Dieu qui est vivant. Mungu mwenye kuwa hai. Moi je prie. Mimi ni kunaomba. Un Dieu qui a des oreilles. Mungu ule kuna masikio. Un Dieu qui entend. Ule Mungu anasikiaka. Et il n'entend pas seulement. Asisikiake tu. Il donne la réponse. Na kuna leta jibu. Amen. Si tu ne crois pas. Kama waamini. Tu insultes Dieu. Wewe unamtukana tu Mungu. C'est ça que la Bible dit, non? Je le Biblia nasema. L'incrédulité devant Dieu c'est une insulte. Kutokuamini mbele ya Mungu, iko sawa unamchambula. 1 Jean 5 dit ceci. Yohane wa kwanza sura 5 inasema hivi. Verset 9. Mstari wa 9. Si nous recevons les témoignages des hommes. Kama tunapokea ushuhuda wa watu. Le témoignage de Dieu est plus grand. Ushuhuda wa Mungu ni mkubwa zaidi. Car le témoignage de Dieu. Kwa maana ushuhuda wa Mungu. Consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils. Ila kusema alishuhudia mwana wake. Vous recevez le témoignage des hommes. Munapokea kama ushuhuda wa watu. On vous dit quelque chose, vous acceptez que c'est arrivé comme ça. Na bana nimeosha kitu na sasa ilifika vile. Mais il y a un témoignage plus grand. Lakini kukushuhuda moyo wangu ya sasa ya kwa sasa. Vous avez reçu. Kuliko ile mlipokea. C'est le témoignage de Dieu. Ni ushuhuda ya Mungu. Et le témoignage de Dieu. Na ushuhuda ya Mungu. Sister. Ni ile ambayo. En ce qu'il a donné son fils. Yusa alileta mwana wake. Il nous l'a rendu, non? Celui qui croit au Fils de Dieu, il a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur.
Anasema tu asaole Mungu ni muongo. C'est une insulte. Il ni matusi mbele ya Mungu. Celui qui ne croit pas Dieu. Ula simwamini Mungu. La capacité de faire de Dieu. Ile uwezo wa Mungu ya kutenda. Celui qui limite Dieu. Ule mwenye anampatia Mungu mipaka. Celui qui pense que dans sa situation. Ule mwenye anawaza mambo yake ile kunayo. Dieu ne peut plus agir. Mungu hawezi tena kutenda. Dieu ne peut plus rien faire. Mungu hawezi tena kufanya kitu. Il le fait menteur. Eko nafanya kusale Mungu anakuwa wa bongo. Même s'il adore. Même s'il chante, même s'il prêche, il le fait menteur. Tu le fais menteur. Vous êtes là. Mais toi crois. Ça oui, amini. Puisqu'il a dit ceci. Comment dans Jean, chapitre 11, sura 11, verset 40. Écoutez un peu ce qu'il a dit. Écoutez. Jésus lui dit. Yesu akamwambia. N'étais-je pas dit? Mais sikukoneshe. Que si tu crois. Ya kusema kama unaamini. Si tu crois. Kama unaamini. Tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Mungu. Ne te l'ai-je pas dit? Misikukwambie. Que si tu crois. Sema kama unaamini. Tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Mungu. Et ils ôtèrent la pierre. Nao wakaondoa jiwe. Et Jésus leva les yeux en haut et dit. Yesu akainua macho juu akisema. Père, je te rends grâce Baba, na kushukuru de ce que tu m'as exaucé. Kwa vile una kubali maombi. Verset 43 pour gagner du temps. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Kisha kusema vile akalalamika kwa sauti kubwa. Lazare, Lazare, sort, toka. Et le mort sortit. Na ule mufa katoka. Ce n'était pas des histoires. Hii haikuwa maarishi njo. Ce n'était pas un témoignage. Haikuwa ushuhuda. Qu'on a lu sur Facebook. Yeye bari soma pa Facebook. C'était une réalité. Ilikuwa ni mbango ya kweli. Lazare était mort. Lazare alikufaka. Qui n'y avait plus d'espoir. Hakuwa tena tumaini. Mais. Lakini. Le plus grand que la mort. Mwenye kwa zaidi ya lufu était là. Alikuwa kapale. Le vainqueur de la mort. Ule mshindaji wa lufu. Il était vivant. Alikuwa kapale hai. Il est venu. Anakuya. Il a fait sortir Lazare de la tombe. Alimtosha Lazare mkaburi. Où est-il? Eko wapi? 1 Jean. Yohani wa kwanza. 3. Sura 3. Mbe. 1 Jean. Yohani wa kwanza. Bien-aimé, verset 21. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Est-ce que tu comprends? Si dans le cœur il n'y a pas de doute, il n'y a pas un non, amuna jina, amuna apana, aux promesses de Dieu, wile malako ya Mungu, on a l'assurance. Tuna hakikisho. Et si nous avons cette assurance, na kama tuna ile hakikisho, quoi que ce soit que nous demandions, ikiwa yote tutaomba, quoi que ce soit, ikiwa yote tutaomba, que nous demandions, yeye tutaomba, nous les recevons de lui. Tukunaipokea kutokea yeye. Parce que nous gardons ses commandements. Kwa maana tunachungaka amri zake. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Na tunalala tunafanya kile kiko namupendeza. Kwa que ce soit. Ikiwa yote. Que nous demandions. Yote tunaweza kuomba. 1 Jean 5. Yohane wa kwanza sura 5. 1 Jean 5. Yohane wa kwanza sura 5. Verset 14. Mustara 14. Toi qui souffres d'hémorroïdes. Wewe unateseka na hemorroïdes. C'est un démon. Ni mpepo mchafu. Et au nom de Jésus. Na mujina la Yesu. Il doit te laisser maintenant. Anapasha kukuacha hapa sasa. Il doit disparaître. Anapasha kupotea. Tu dois être libre. Unapasha kuwa huru.
Nos corps ne sont pas le temple des démons. Mili yetu ana maikalo mpo mchafu. C'est le temple de l'Esprit Saint. Ni ekalo ya Roho Mtakatifu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Mbele yake tuna ile hakikisho. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que tu crois qu'il t'écoute? Tout est possible à celui qui croit. Et si nous savons, pas si nous pensons, pas si nous supposons, kama tunawazia, et si nous savons qu'il nous écoute, kama tunajua kusema yuko anatusikia, quelque chose que nous demandions, kitu fulani kile tunaomba, nous savons tunajua, que nous possédons la chose kusema tuko na kile kitu, que nous lui avons demandé. Kusa, tunapokea kile kitu, tunamuomba. Est-ce que tu sais ça? Unayoa vile? Ceux qui souffrent d'hémorroïdes, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Ça doit disparaître sur place. Il n'a pas supporté à parler, Aucun démon ne peut nous intimider. Akuna mpuko ata mchafu mwenye kututetemesha. Nous avons le prix. Chie, tukuna ile bei. Tout a été payé. Yote ililipwa. Nous sommes libres. Chie, tuko huru. Jésus nous a libérés. Yesu alituweka huru. Jésus nous a racheté. Yesu alitukomboa. Jésus nous a guéri. Yesu alituponya. Même Satan. Ata Shetani. Il n'a pas résisté. Asikukangale. Croyez-vous cela? Munamini vile. Dieu notre Père. Mungu baba yetu, si l'autorité de ta parole. Kwa mamlaka neno lako. Je défie. Mina pinganisha. Tout démon ici. Pepo wote mchafu hapa. Toi démon de moroi. Wewe pepo mchafu wa moroi. Toi démon de kiss. Wewe pepo mchafu wa kiss. Toi démon de pandisi. Wewe pepo mchafu wa pandisi. Au nom de Jésus-Christ. Mu jina la Yesu Kristo. Toka. Vous devez disparaître. Muna pasa kupotea. Ce corps et ne sont pas les temples de vous les démons. Aïna mama et kaluyenu. Satan. Satani. Toi et Jésus. Wena Yesu. Vous ne pouvez jamais cohabiter. Amwezi kuikala pamoja. Libère la place. Atafuashi. Sors vite. Toka mbio. Je te commande. Mina kuamuru. Au nom de Jésus Christ. Mu jina la Yesu Kristo. Sors. Toka. Expérimentez ça. Mouange, il est. Sentez votre guérison. Moussikie, matunzo enu. Que ça disparaisse complètement. Hypote, kwalote. Nous avons de l'assurance. Donc on a eu la kikisho. Que quoi que ce soit. Que nous demandons. Yote, nous les recevons de lui. Tout est possible à celui qui croit. Est possible à celui qui croit. Que cela est possible à lui. Iye, kuna wezekana kwake. Vous qui souffrez d'estomac. Mwe mwona tusana mpo mchafu ya estomac. Tu ne manges plus. Aukula kitena. Tu ne dors plus. Aulala kitena. Tu n'as plus la paix. Auna tena na tu salama. Tu n'as plus la joie. Auna na furaha. Mettez-vous debout. Mushimame bwima. D'ailleurs, il est là le maître. Le grand médecin, il est ici. Capable de guérir toutes les maladies. Il peut vous guérir tous au même moment. Tous les malades, mettez-vous debout. Peu importe ta maladie. Myome. Kyste. Hernie. Prostate. Maux de tête. Kiswa kuluma. Maux de ventre. Tumbo. Tout ce qui vous dérange. Yote le kune misuru. Mettez-vous debout. Musimame. Jésus a vaincu. Yesu alishinda. Et il a vaincu pour nous. Alipata ile ushindi juu yetu. Croyez-vous cela? Munaamini vile. Croyez-vous qu'il a vaincu pour nous? Munaamini kusema alishinda kwa ajili yetu. C'est lui notre médecin. Yeye ndiye munganga wetu. Tous les médecins que vous voyez ici, ce sont des imitateurs. Ils sont limités. Et ils ne guérissent jamais. Mais nous, nous avons un Dieu qui a dit ceci. Psaume. Zaburi. Écoutez ce qu'il a dit. Musique qu'il a dit. Psaume. Zaburi. Pendant que nous sommes en train de lire. D'autres maladies sont en train de fuir. Expérimentez ça. Psaume 103. Zaburi 103. Mon âme bénit l'Éternel. Nafsi yangu nasifu Yehova.
Que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Croyez-vous cela? Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, il le verra. Il aura le pardon. Il aura la joie du salut. Il aura la paix du cœur. Croyez, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à Jésus. Même dans cette salle, de toutes vos maladies, de toutes les douleurs, il n'y a aucune qui peut résister. Croyez, vous le verrez. Croyez, vous le verrez. Parce que tout est possible à vous. Qui croyait que cela est possible à vous. Dieu notre Père, puissant en acte, puissant en parole, Dieu très haut, Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ, je chasse tous les démons, guéris toutes les maladies, manifeste-toi ton Père. Marche Seigneur. Tembea Baba. Touche là où aucun homme ne peut pas toucher. Baba kusa pale mwana de mozo kusa. Atteins là où les médicaments n'ont point atteint. Ouais, fikia pale ma guéris complètement tes enfants. Ponyesha kabisa kabisa. Soit complètement guéri. Batunzwe kabisa kabisa. Délivré. Wafungule. Et qu'il rentre joyeux. Na barutie wana fura. Au nom puissant de Jésus. Mujina uwezo wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Expérimentez votre guérison. C'est déjà payé. Amen. 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 Je vous lis cette écriture. Marc chapitre 5. Marco suratano. Marc chapitre 5. Marco suratano. Marco. Marco. Écoutez un peu. Musikie kwanza. Regardez un peu ici. Mangalie. Suivez attentivement. Musfuate kwa makini. Que le démon ne vous intimide pas. Même si ça fait plus mal qu'avant. Ça fait mal pour la dernière fois. C'est en train de partir. Croyez-vous cela? Marc. Marco. Chapitre 5. Suratano. Écoutez un peu. Musikie. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est-à-dire qu'elle avait consulté beaucoup de médecins. Chacun l'examinait. Chacun prescrivait le médicament. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a vendu les chats. Elle a vendu les maisons. Elle voulait vendre les véhicules pour sa santé. Il n'y a aucun examen qui est gratuit. Tout est payant. Les médicaments payants. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Bien qu'elle a tout dépensé, elle n'a éprouvé aucun soulagement. Mais était allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus,
Akisikia kusema juu ya Yesu. Mais toi tu n'as pas entendu parler de Jésus. Lakini wewe hukusikia kusema juu ya Yesu. Toi tu crois en Jésus. Wewe unamwamini Yesu. Toi tu es la fiancée de Jésus. Wewe kumchumba wa Yesu. Alléluia. Amen. Elle. Yeye. A entendu parler de Jésus. Alisikia katu anasema kuhusu Yesu. Wewe. Tu as déjà entendu parler de lui. Unaweza kusikia kusema juu yake. Tu as crié en lui. Na ulimwamini. Tu dois expérimenter plus que ce que cette femme a expérimenté. Una pas kuonja zaidi ya hiki mwanamke alionjaka. Elle a entendu parler de Jésus. Akisikia kusema yule Yesu. Élevé dans la foule par derrière. Akakuya mkunzi nyuma kule. Et toucha son vêtement. Akagusa nguo vazi yake. Car elle disait. Kwa maana alikuwa alisema. Elle disait. Alikuwa anasema ndani yake. Si je puis seulement toucher ce vêtement. Kama mimi nasugusa mavazi yake. Je serai guéri. Mie mtatunzwa. Au même instant. Pale pale. Pas demain. Hapana kesho. Pas une semaine après. Hapana juma moja kisha. Au même instant. Pale pale. La perte de sang s'arrêta. Kule kupoteza kwa damu kukasimama. Au même instant, parle, parle. La perte de sang s'arrête. Ule upoteza kwa damu kukasimama. Et na elle sentit dans son corps. Akasikia mumwili yake. Elle sentit. Akasikia dans son corps. Mumwili yake. Qu'elle était guérie de son mal. Ya kusema ile magonjwa yake yote iliponyeshwa. C'est Jésus qui faisait ça, il est où? Asa ule Yesu alikuwa anafanga vile, yuko wapi? Il a vieilli. Anazeka. Il a voyagé. Anasafiri. Il dort. Uviana lala. Il est où? Eko wapi? Je veux la réponse. Il est où? Ici. Vous croyez qu'il est ici? Mon ami a kusema eko hapa. Il doit faire les mêmes choses. Sasa anapaswa kufanya vitu vimoja vimoja. Oui, il a les mêmes. Juye ni yule moyo moyo ule. Toi aussi. Na wewe. Au même instant. Pale pale. Tu dois sentir dans ton corps que les douleurs ne sont plus là. Que la maladie n'est plus là. Que tu es guéri. Que ton mal est. Alléluia. Amen. Croyez-vous cela? C'est possible. À vous qui croyez. Apparemment, mon temps est terminé. Ça va. Zuri. Dieu bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki.